Salut à tous, c'est Hérolim et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Bioshock Infinite. Donc on était en train de se rendre à Monument Island, qui est la demeure de cette grande statue d'ange en or. J'adore. Bon. Et donc on cherchait un moyen de s'y rendre. D'ailleurs je vais piquer. Ouais, bien. Là j'ai même pas besoin de me soigner, magnifique. C'est toujours la fête à Columbia et pendant ce temps-là, nous. Voilà. On s'amuse à descendre des flics, descendre l'armée. Enfin, la totale, quoi. Oui, la routine, comme d'hab. C'est vrai qu'on fait ça tous les jours. Monument Island. Je vais fouiller à l'intérieur, parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants. La bouffe. Bon, j'ai pas besoin de me soigner. Ah, des céréales. On fouille les poubelles pour ramasser des trucs à manger, quoi. Sérieusement. Ça m'arrive pas souvent de faire ça dans les jeux. Je louche. Eh ben tiens, c'est marrant, ça. Il avait l'air irlandais. Oui, comme ça. Oui, j'ai l'air parfaitement irlandais. Et son caractère? Oh, c'était clairement un anarchiste. Ah, au revoir, toi. Voilà, ça c'est fait. Bah alors. Ok. Ça, c'est fait. Hop, je récupère les munitions. Ça, je sais pas, c'est pas bien. C'est pas du luxe. Et toi, là, qui a essayé de donner une description, bye bye, j'en ai marre. Franchement, les gens qui savent même pas décrire comment je suis, franchement, je suis pas petit, je suis pas roux, je suis pas irlandais, enfin bon, je suis pas français non plus. Je ressemble pas à ça. Oh. Ils sont mauvais, hein, ils sont mauvais. Oui, en fait, je fais ma petite justice dans Columbia. On va rétablir la vérité, mais en même temps, si je les tue tous derrière, c'est sûr qu'ils risquent pas d'avoir une bonne description. Hop, alors, où est-ce que je dois aller? Hop! Ouh! Voilà! Ninja! Non, je peux pas me faire décapiter. Désolé de te décevoir. Tiens, voilà, c'est fait. Et vous voyez, je l'ai brûlé. Et un bon ennemi, c'est un ennemi qui brûle. Mais pourquoi je peux plus ouvrir le... Comment pas... Enfin, bref, faut pas trop chercher. Oui. J'ai entendu quelqu'un crier. Je sais pas pour vous, moi j'ai l'impression que oui. Alors, voyons voir. Y a rien ici. Je vais voir un tonneau. Entrer dans la station. Quitter la zone. Hop. Enfin, on quitte la zone actuelle pour aller dans la station. Passage vers Monument Island. Ouais, visiblement. Alors, voyons voir. Ça fera pas de mal, hein. Possession assistée. Vous pouvez posséder les humains qui se suicident lorsque l'effet prend fin. Ouais. Alors, je... Quoique... Ah, ça coûte que 50 dollars. Ok. Enfin, 50 aigles d'or. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils mettent des dollars. Oui, c'est bon, je sais. Enfin, bon, c'est pareil que pour la possession normale. Montrez votre visage. Vous n'y allez nulle part.
Oui, parfait, parfait. Tue tes anciens maîtres. Non, je suis pas coincé. Je l'adore, mon chapeau. Oh, un kit de soins, alors là c'est bienvenu. Ah oui, l'effet n'est pas valable sur les machines. C'est-à-dire que posséder une machine ne fait pas qu'elle se détruit à la fin de l'effet. Et là, j'ai encore une fois brûlé, c'est magnifique. Donc, les boîtes, c'est ce qui est laissé quand les ennemis sont brûlés. Ok, la tour protège l'agneau du faux berger. Merci pour les cristaux. Hop, 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 hop. Pas besoin de vie, hop. Des munitions, c'est parfait. Là. Des golds! Des golds aussi, encore une fois. J'aime l'argent. Non, je déconne. Disons qu'on en aura bien besoin. Hop, les munitions que j'ai récupérées. Sac à main. Encore des golds. Bon, là, ça me semble être pas mal. Alors ceux-là, oui, j'ai pas fait le topo au niveau des magasins. Ceux-là vendent des munitions, des trucs de soins, des cristaux. Ceux-là vendent des améliorations pour les toniques. Et il y en a encore un troisième type qu'on verra plus tard. Enfin plus tard, peut-être pas dans si longtemps d'ailleurs. Ça devrait pas tarder. C'est un qui améliore les armes. Alors là, c'est encore plus craqué. Enfin, il y a des trucs pas mal. L'aérotram, hein? C'est comme ça qu'ont débarqué tous ces flics pendant la tombola. Il est intelligent, hein? Monsieur DeWitt. Let's go! Oh, on sent l'adrénaline qui monte, hein? BAM! Trop puissant pour toi! En plus, il y a... En plus, il y a l'effet de flamme qui s'ajoute. Ouh! Alors, je remonte ma santé. Vous verrez comment je fonctionne à ce niveau-là. Mais oui, c'est ça. Là, c'est la maintenance. J'ai bien fait de m'arrêter en fait. Dans les deux secondes. Je pense que celui-là, j'ai jamais utilisé. Ça va être le bordel. Ok. Donc c'est parti. Accélérons, accélérons. Boum!
Encore une fois. Eh ben mon Dieu. Encore un truc ici ou rien? Je vérifie, hein, je... Ouais, juste un peu de munitions, y a rien là. Hop. Voici. De l'argent. Et ici, c'est bien le pétrole que vous voyez. Justement, qui pourra servir. Oh, un voxophone. Allez hop, comme stock, qu'est-ce que t'as à nous dire? Et le seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre. Le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits. Et il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. Voilà, et pendant ce temps-là, j'ai glissé de l'aérotram et je me suis amusé à défoncer des flics. Voilà, ça s'est fait aussi. Deux en moins. Voilà, ça s'est fait aussi. Un autre aérotrame au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Hop, des provisions, hop. Faisons vite le plein. Oui, je me crois différent. Je suis pas aussi con que vous. Désolé de vous le dire, mais bon, quand même. Hop, hop. D'ailleurs, il est où l'autre andouille qui m'insulte? Allez, vas-y, sors. Boum! Ça s'est fait. Et ça s'est fait aussi. Mon Dieu, je suis d'une efficacité aujourd'hui. Ça c'est fait. Il est vide. Hop. Il est vide. Alors. C'est pas par là qu'on va. C'est de ce sens là. Hop là. Eh, on est plus très loin les gens. Oh là, oh là. Protège-moi et donne-moi la force. Ok. Père Washington, entends ma prière. Qu'il soit béni par Madame Comstock. Qu'il soit béni par Madame Comstock. Bon, écoutez, hein, moi je vais pas me faire un. Qu'il soit. Ok, je pense que ce sont de pauvres PNJ que j'ai assassinés. Alors là, mon Dieu, si je m'attendais à ça. Y a rien ici. Ok, ils font des petites parcelles, des petites. Ouais, c'est peut-être aussi pour pouvoir sauter. Visiblement. Notre prophète. Ok. Allez hop, actionnez le levier. J'ai pas de temps à perdre. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee. L'agence Pinkerton, la boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'effacent pas à mon cœur. Ok, comment il connaît mon prénom, lui? Mon domaine est la prophétie, monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Eh ben. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire. Et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, mon cœur?
Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Ok. Enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Okay. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Retournez dans votre sabbat. Allez-vous-en! Ok. Oh merde! Hop là! Brûle un peu, toi. Ça fera un bon feu. J'ai froid, c'est ça. J'ai froid. Voilà, ça c'est fait. Je dois trouver les commandes pour rejoindre Monument Island. Qui visiblement les commandes, c'est pas ici. Tout va bien, je te ferai aucun mal. Ok, bon. Une dame comme ça. Les mots du prophète. On s'en fout des mots du prophète, bon sang. La commande. Je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Ok, lui, il embarque à partir d'un petit machin. D'abord d'un petit machin. Amen. Amen. Oh oh. Oh merde! Oh oh! Ok! Faut que je file d'ici! Enfuyez-vous du zeppelin, ok! Ok, on va la refaire! Hop! Hop là! Merde! C'est pas passé loin! Ouh! C'est ce qu'on appelle faire le ninja! Entrée à Monument Island. Bah ça tombe bien, je suis juste devant. Écoutez, pendant ce temps-là... J'ai quand même foutu un sacré bordel dans la ville. Alors, est-ce qu'il y a des munitions à prendre? Un petit peu, hop. D'ailleurs, j'aurais utilisé un petit peu plus mon pistolet quand même. Oui. Ah, donc là on va rentrer dans une nouvelle zone. Depuis combien de temps j'ai commencé? Ouais, non, on va continuer quand même un petit peu. On quitte la zone. Hop. Monument Island. C'est bizarre, j'ai l'impression que la statue est encore plus loin qu'avant. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Peut-être parce que c'est des gros malades, des gros fanatiques. Non? Hop! Je suis bien perché là-haut pourtant, hein, mais bon. Faut avancer. Pas beaucoup de bruit par ici. Des gold! De la santé! Bien! Oh! Un voxo. Je suppose que même dans une zone protégée, les blancs ont besoin de quelqu'un pour laver par terre. Salaud. Tous les jours, ils me félicitent pour la clarté de mon élocution, parce que je sais un peu lire. Mais est-ce qu'ils m'écoutent? Tu parles. Ils savent pour la chose en haut. Ils l'observent en cachette toute la sainte journée, tout en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait à cet endroit. Hein? Spécimen, le spécimen est dangereux. Reçu les... Ok. Pas approcher le spécimen. 12 heures de quarantaine ici? Oh bah 12 heures pour moi. Hein. C'est quoi? Ok. 72 heures? Eh ben mon dieu. Siphon passive. Je me demande à quoi ça sert.
un nounours. Ok, il est devenu rouge. Et là, il est redevenu marron. Eh ben c'est marrant ça. Écoutez, 72 heures. Ok. Ok, d'accord, ça devient vraiment louche ce machin. Hop. Ok, chef, monsieur, vous m'avez demandé de tout vous dire sur le prophète, donc voilà. Alors oui, j'ai bien remplacé tous les fusibles comme on m'a demandé. Et toutes les lumières marchaient hier. Hier soir. Oh mon dieu! Sortez! Que tout le monde sorte! Vite! Ah hop, un petit soda, ça fera pas de mal. C'est visiblement la jeune fille qu'on doit aller récupérer. Bon, on va pas regarder tout ça parce que sinon... Même ici, des jolies photos d'elle. Bande de pervers, en fait, ils sont en train de se regluquer la fille en secret. Ok, on n'a pas approché le siphon pendant que le... Ok... Comstock, raconte-nous. C'est une chose d'imaginer son avenir, c'en est une autre de le voir. Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais c'est Elisabeth qui les sèmera, pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli, mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs. Elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Ah, et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Elisabeth prendra ma place terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là, et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie, tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions. Eh ben tout va bien dans sa tête, hein. Moi je fais que suivre les instructions, hein. Alors donc 168 heures de quarantaine, ça fait une semaine. Pour ceux qui en doutent. Faites le compte. Pupidupidou. Ah. Ok. Pas. Le dressing, c'est là que je dois aller. Mais les amis, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, je serai encore capable de vous laisser poireauter jusqu'au prochain épisode. Hein. Enfin, jusqu'au bout. C'est pas la fin. Bon, on va peut-être enfin trouver celle qu'on cherche. Ah! C'est elle. Elle est mignonne, hein. Visiblement, elle adore Paris. J'adore Paris. Bon. Salle à manger, ok. Franchement, ouais.
Oula, 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 oh, doucement. Wow. Qu'est-ce que c'est? La revanche du Jedi. Tu te fous de... Visiblement, mon personnage a l'air aussi troublé que moi. De toute façon, c'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Mais mes gars, si tu veux récupérer la fille, à mon avis, ça va être légèrement ton problème. Ok. Elle nous a télétransporté... elle a transporté... Ah, merde, elle a ouvert une porte entre ici et Paris. En plus, c'est pas vraiment le Paris de la même époque. Hein. Le c'est retour du Jedi... Pire, ce boulot. Oui, oui, j'avoue. Ah, Rosaline Butès. Qu'est-ce qui rend cette fille différente? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. Ok. Visiblement, il y a un truc qui cloche avec cette fille. C'est ça qui aurait pu lui donner son pouvoir. La bibliothèque. Hmm. Ouvrir la porte. Oh merde. Bon, très bien. Je peux le faire. Hello Columbia, je suis plus haut que vous. Wouhou. Comment ça se fait qu'on va passer de porte de plus loin? Je vais me mettre là et mourir, dans le froid. Et la solitude, la plus totale. Ah, bah voilà. Ah, et donc ici, les amis, c'est là où on va citer la blague. Et oui, parce que là, je vais finir cet épisode de... Épisode 3, déjà. Déjà l'épisode 3. Ah ouais, c'était l'épisode 3. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Et je garde le suspense pour la prochaine fois. Donc, épisode 4 à venir, très prochainement. J'espère qu'il va vous plaire. Et j'espère que celui-ci vous a plu, déjà. On a frayé notre chemin jusqu'à Monument Island. On y est arrivé assez vite, ma foi. On n'a pas trop galéré, en fait. Mais voilà, la suite promet d'être encore plus palpitante. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 4 pour la rencontre avec la fameuse Elisabeth. Donc, je vous dis à la prochaine et salut à tous !